Tu viens de dérober un drapeau pirate. 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 Ouais, c'est la guerre. Bien, bonjour à vous. Bonjour à toi, YouTube. Bonjour à vous, les viewers. Nous allons t'assister pour prendre le fortin. Tu me guideras et je te suivrai avec mes grenades. Alors surtout, attends-moi avant de changer de zone et n'oublie pas de neutraliser l'émetteur. On ne parle pas durant les combats. Et si j'y reste, un autre rebelle me remplacera et il t'attendra à l'endroit du débarquement. Donc voilà, donc en gros, notre mission là actuellement, ce sera d'accompagner un monsieur pour qu'il pète les émetteurs. Et donc là on y va, on est parti pour la guerre. Oui, c'est très moche, mais voilà, on faisait avec ce qu'on avait. Hein. Donc oui, vous suivez quand même avec votre bateau quand même. Il y a un mec qui prend le bateau. Ou alors c'est un bateau téléguidé. Je ne sais pas. Donc voilà, comment ça va se passer? On va débarquer sur l'Himalaya pour prendre de force le col Okija. Et le truc c'est que nous on va rien faire de spécial en fait. On va juste courir entre deux, vous savez. Genre comme un gamin qui fait mumuse, qui fait oui, ouais. Donc ouais, notre bateau il va laisser là justement. Il va le laisser pas trop loin. Vous vous souvenez le mec là qu'on a été voir et qui nous disait ouais tout, faudrait que t'ailles dans la base de la résistance en fait, finalement ce mec bien. Et là en fait si vous voulez, là, ça me fait penser énormément au Solarian. À l'assaut, motherfucker. Oui, il tire une balle avant de bouger. Il se prend deux balles, le mec il meurt en direct. Enfin. J'aimerais bien pouvoir sortir. Bienvenue sur Terre, salope. C'est bon, je peux bouger. Merci. Ok, bon. Donc bon, vous voyez qu'ils ont déjà fait un peu les bâtards, les mecs, tu vois. Allez, viens. Donc, il me semble que c'est lui qui doit m'aider. Hop là. T'as même pas le temps, ma gueule. Eh ouais, bref. Donc ouais, les blancs sont beaucoup plus résistants que les autres. Vous imaginez une empêche avec une balle verte comme on s'aurait fait, malheureusement. Ça aurait pas fait un truc top. Et pourquoi on n'a pas de mitraillette, vous me direz? Eh bien, car si on avait une mitraillette, on foutrait la mort. Non! Je suis planté de touche. Mais tape! Aïe! Ah! Fuck you! Bon, excusez-moi pour les petits bugs que vous avez eus, malheureusement. Oui, il peut vous tirer dessus aussi, hein, c'est pas trop pratique. Bra! Aïe! Putain, c'est l'autre gars en plus derrière qui me tire dessus. Enculé! Pourquoi moi? Hop. Et normalement, en fait, notre but là, c'est de péter les émetteurs. Donc, vous avez entendu qu'il y en avait un. Je suis désolé pour le petit coup de Windows que vous avez vu précédemment. Normalement, oui, il y en a un en haut. Si je dis pas de la merde. On est censé être là pour les péter, hein, tu vois. Le gars, il s'est cassé quand même. En mode enculeur de poule. Alors, normalement, si on peut viser correctement... On peut essayer de la voir, si je dis pas de bêtises. Vous voyez que ça rebondit bien, tu vois, mais bon. Bon, ok, très bien, c'est pas terrible. Oh, si tu veux, tombe. Non, très bien. Oh. Par où est-ce que je peux passer? Voilà la question à 10 000 euros. À 10 000 bucks. Non, il veut pas monter là-dessus. Peut-être que... Et ouais. Yes. Yes. Oh putain. Angle de vue quand tu le tiens. Angle de vue quand tu pisseras moins. Non. Attendez, je vais essayer comme ça, je suis persuadé qu'il y a moyen. Non. Allez. Tu passes au-dessus là. Allez. Non, il veut pas. Moi, tant pis. Essayons. Je vais réessayer comme ça sur le petit amont de sable de blanc. Tout blanc est insolent, n'est-ce pas? Oh allez, t'es bien parti. Sur le coup, j'ai fait oh. Non. Ce n'est plus de mon essor. Non, il veut pas. Il veut vraiment pas le truc. Hein. Genre, non. Ok. Ouais, donc je peux pas l'atteindre en fait. C'est censé être des gribiers qui pourraient l'avoir. Oh allez, t'es bien parti là. Non, presque. Faut que ça rebondisse bien sur le mur. Bon, normalement, je pense que c'est censé être une grenade, tu vois, qu'il le pète. Mais bon, comme je suis un peu con, ça aide pas. Bon, très bien. Bon, c'est pas grave, hein, ils vont se faire foutre. Hein, si le truc est pas pété, hein, faute. Hein.
Bug, comme on dit. Bonjour. Donc ouais, comme je vous disais, ce mec là il nous suit. Hop là, bon, faut faire gaffe. Il est du genre à prendre cher le gars. Hein. Mais bon, normalement il envoie des grenades. Normalement. T'as pas envie de le péter? Non. Fuck, on bouge, hein. Très bien. Très bien. On bougera après. Très bien. Pourquoi pas. Je pense que ça vient justement des émetteurs. Mais bon, bref. Pour récupérer un autre gribier, parce qu'on en aura besoin en fait, il faut retourner à l'endroit du débarquement. Aïe, ça c'était une mine invisible. Ne me cache rien. Mon prédécesseur est mort au combat. Bon, c'est la vie. Allez, on y va. J'aime bien ce gars quand même. Bon, c'est la vie. Ah, mais te prends pas ça aussi. Voilà, c'est bien. Est-ce que tu vas me péter ce truc là ou pas, toi? Non. Non, tu veux pas, très bien. Bon bah on fonce. Et go 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 go. J'aime bien comment il sort ça, tu sais, le gars quand même, hein. Tout tranquille. Bah c'est la vie, c'est pas grave. Et le gars il est en plein milieu, il reçoit rien. C'est quoi ce... Nyes. Nyes. Bon bon, vous voyez qu'il y a quand même des gars qui nous attendent bien comme il faut, tu vois. Bon. Je vais essayer de le garder à peu près safe, le gars, quoi. Il reste là. Je m'en occupe. Enfin, je vais essayer. Hey, Non, oh. Yamete. Yamete. Mitrate senpai. Ouais, dans mon stream, le gars, il faisait tout le boulot, quoi. Franchement, il faisait le beurre, l'argent du beurre, et il se tapait la chaumière, tu vois. Là, il fout rien, là. Il est en mode glande attitude. Ah, voilà. Merci. Ah, bah, y a une deux... Mais non. Ils sont pas de couilles, putain. Pourquoi? Pourquoi t'as tué Bobby 2? Bah, comme je vous disais, le 1 comparé au 2 est beaucoup plus expéditif, tu vois. T'y arrives pas, et bah... Il s'en branle, tu vois, le jeu. Il t'encule. Point. Ah mais c'est ça, hein. Franchement, c'est carrément ça, le jeu. Bon, très bien, je vais reculer. Voilà, merci. Il faut se retaper tout le chemin inverse. Très bien. Très bien. Les mines invisibles commencent à me péter les couilles. C'est pas trop pratique. Ouais, mais franchement, durant mon live, j'ai pas tant galéré que ça. Hein. Bien sûr. Bien entendu. Un petit cadeau d'accueil. T'as pas envie de me laisser passer? Voilà, merci monsieur. Allez, bisous. Je t'aime. Au revoir. Bisous. Ne me dis rien. On pré... Oh. Ah, cette mort de merde. Oh putain, un arbre. Bonjour. Ne me cache rien. Vous avez tous une voix de gay, hein, donc ça va. Ne me casse rien. Mon zizi est capable d'avancer. Restons zen. Tout va bien. Restons zen. Oui. Fonce, fonce, fonce. Ouais, sauve ta vie. Ok, alors, normalement... On va essayer de la jouer à peu près plus finement, n'est-ce pas? Non, ça touche pas. Là, ça devrait toucher. Même pas? What? Oh putain. Oh putain! Non, normalement, il pourrait me toucher de là, le gars, mais bon. Je pense qu'il est en mode de chômage technique. Technique. Bon, normalement. Normalement, ça compte. Tu le vois encore? Aïe. Putain! Non, très bien. Est-ce qu'il est bloqué? Ah non, il est là. Bonjour! Très bien, merci. Ouais, ouais. Direct shot. Oui, parce que, comme je vous expliquais, en fait, on a besoin de ce gribier là parce qu'il va aller faire un truc assez stylé. Déjà, il fait le boulot là. Il fait le café. Mais putain, j'en ai marre. Arrêtez de les tuer en un coup, les gars. Vous êtes chiants. En plus, on doit aller jusque là, c'est tout. Oh allez, je passais au travers de toutes les autres mais pas celle-là. On doit aller jusqu'au char d'assaut que vous avez vu. Et en gros avec ça, eh bien on avance plus loin, tu vois. Mais là en fait la guerre est devenue chiante là. La guerre a changé. Putain mais... Bien. Adoptons la position numéro 4 de la zénitude. 3, 4. Oh putain. C'est la première qui me touche à chaque fois. Hein. Sérieux, le mec, c'est même pas un sniper, quoi. C'est un connard, voilà. T'es un connard, monsieur. Ne me cache... Ta gueule. Normalement, vous êtes plus tanky, les gars, hein. Faut arrêter. Hein. Là, vous l'êtes pas. Là, y a du...
quatre fois que je passe, quatre fois que je me prends cette putain de mine de PD. Donc là, il y a l'autre connard qui a dû respawn. Nana. Yes. Non. Non. Allez. Poup. Et poup. Voilà, ça c'est fait. Bonjour monsieur. Oh putain. La guerre ne m'aime pas. J'ai l'impression que... J'ai cette impression que... Assez profonde que la guerre ne m'aime pas. Non. Il est juste là le monsieur qui mitraille comme un enculé. Tiens, cadeau. Tiens, t'aimes ça les balles, hein? T'aimes ça sentir ma balle magique, mais oui! Allez, va mourir en un coup, va! Va! Va chercher bonheur, va, va! Mais. C'est pas logique! C'est pas cohérent! C'est pas normal! Je comprends plus! Ce jeu ne veut pas que j'avance! Ce jeu est buggé! Ok, bah, tu sais quoi? Fuck de police! Ok, je les emmerde, moi je fais ça solo, ok? Voilà! Alors malheureusement, je pourrais pas ouvrir la porte, mais on s'en branle! On s'en branle! Bon, game over, très bien. Game over, même, j'ai envie de vous dire. Non, bon, très bien. Ok, ça a sauvegardé alors que j'avais encore. Je comprends pas. Ce jeu n'est pas compréhensible. Il me montre en gros que je ne dois pas faire ça, très bien. Donc bon. C'est vrai que là, c'est... très bien. C'est naturel. Oui. Je vais essayer de péter au moins l'émetteur. C'est peut-être ça qui fait chier, en fait. Parce que, quand même, normalement, le gars est censé résister au moins un coup, tu vois. Mais là, le gars, non. Non. Un coup, non, c'est pour les péter, tu vois. Tu crèves ou... C'est bon, merci. Allez, bisous. Et une bonne journée. Comment je monte? Là, la question à 20€. Bah, par là, hop. Je pense que c'est ça qui fait que les mecs meurent en un coup, je sais pas, c'est pas logique. Enfin, eh, franchement, quand même, le gars il me fait, ouais, attends, vas-y, je m'en occupe, le gars il y va et il se prend une balle. La guerre a changé. Ah non, ouais, bon, bref, c'est pas grave. Je cherche plus, sincèrement, je cherche plus. Oh, mais j'ai oublié d'aller faire un truc très important aussi, dites-moi. Mais c'est pas grave, je pourrais me démerder sans. Ouais, en fait, si vous voulez, normalement, j'aurais dû aller chercher la clé bleue. Mais la clé bleue ne sera pas utile de suite. Je ne cache rien. Vous verrez après, en fait. Ça aurait été utile ici parce que, si vous voulez, on va rencontrer un petit lutin. Et ce petit lutin, en fait, pouvait nous donner des trèfles à mort, tu vois. Ah bah voilà, tu résistes un peu mieux, là. Ça fait plaisir. Tiens, une petite grenade. Une petite grue. Voilà, là, ça fait plus mal. Très bien. Bug philosophique. Très bien. Regardez, là, il n'y a pas les petites tourelles lance-missiles de ma bite. Il n'y a pas le gars en plein milieu. Très bien. Ça va très bien. Il y a un gars au loin qui essaie de me mitrailler. Putain. Il n'y en a pas d'autres? Non. C'est bon, il n'y en avait qu'une. Hein, vous n'allez pas nous faire chier. Ok. Là, il y a ce connard qui est là. Ah, il faut que je travaille un peu hein, quand même. Hein. Ils vont pas faire la résistance tout seul quand même. Hein. Faut pas déconner. La résistance à la Twin Sun, c'est pas une résistance de PD. Bon, il s'est pris 2 balles. Normalement, tu t'en prends plus. Voilà! Voilà! Comme je vous disais, le mec il fait le café. Hop. Voilà. Et oui, il envoie des greux quand même. Hein. Il rigole pas le gars. Il est pas là pour ça lui. Il est là pour péter les culs et niquer des meufs. Il veut niquer des meufs, lui. Ok, il s'en tape un. Ouais, pendant que je tire la gros de l'autre. Je sais pas où est-ce qu'il est, l'autre. Mais bon. Oui. Bah voilà. Il faisait le tour. Viens avec moi. On continue avec le char. Voilà. Lui, Bobby 3, c'est un vrai. Le gars, il balance quand même une greue dedans. Le type... Ok, d'accord. Très bien. S'il veut, hop. Je ne sais pas où ils ont eu une formation militaire quand même, mais bon. Allez, vous allez voir quand même qu'avec le char là, ça dépote. Hein, on est là pour péter des culs. On va péter des gueules, ok? On va leur pététer l'arrêt. PTT, très bien, RTT. La 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 la. Bonjour! Salutations, amis voyageurs! Tiens, ta gueule. Allez, bras! 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 Et on roule. Eh, c'est un char, ok?
Avec double tourelle multidirectionnelle. Ok. Comment ouvrir une porte? Ouais non, là tu le touches pas monsieur. Bon il suit, très bien. Fuck you. On ouvre une porte comme ça ici. Brah. Fuck you. Et donc voilà. Brah. Allez, regardez-moi ça, il va te faire un créneau du feu de Dieu le gars. Et voilà. Merci. Je reste en couverture. Va libérer le colonel. D'accord. Très bien. Tu te fais déjà emmerder. Le mec il t'a fait un petit jump et tout. Je vais essayer de l'aider un peu quand même. Je ne suis pas un enculé. Je n'ai pas peur des balles. Oh le gars il tanque bien quoi. La vache. Ils ont reçu une formation avancée. Je pense. Alors par contre ces gars là, les lapichons rouges, ils sont ignobles. Mais quand je vous dis ignobles, c'est pas genre le petit garde de merde, tu vois, qui te tire dessus un peu, tu vois. Eux, ils te tirent une fois dessus, t'es fini. Point. Le gars, il se pointe, il fait... Là, tu chies dans ton froc, et tu pries que Funfrock soit pas dans le coin, tu vois. Parce que tu as mal. Comme un premier toucher rectal. Hop là, bonjour. Tu vas bien, monsieur? Regardez. Regardez la cadence d'enculé. Mine de rien, on dirait pas, hein, mais c'est rapide. Mais vraiment, rapide. Je te tue, arrête. Tiens. Allez. Damn, motherfucker. Ouais, j'ai même la clé. Allez, easy. Aïe. Ok, alors, je pense qu'il y a rien en bas. Je peux pas y aller, de toute façon, très bien. C'est une façon expéditive de dire, va te faire foutre. Très bien. Aïe. Il est marqué FF pour le front français. Oui, monsieur. Non, c'est une frog, bien entendu. Le front français. Hop. Alors, il y aura un bug, justement, avec une porte comme ça, plus tard. Vous verrez, je vous montrerai comment le contrecarrer. Parce que, bah, il va falloir qu'on le contrecarre, parce que malheureusement, bah, les bugs dans le jeu, c'est pas forcément très agréable. Alors, bon, lui, je peux l'avoir de loin. Allez. Tiens. Ta gueule. Tu tires pas, je t'ai dit. Tu tires pas. Hop là. Donc on a une clé. Ah oui, putain, oui, je me rappelle. En fait, si vous voulez, on a des clés ici, en fait. Dans un sens, on n'est pas vraiment bloqué, tu vois, mais... Faut faire attention le sens que tu prends, en fait. Alors lui, il va nous parler. Bonjour. Oui, vas-y. Ouais, alors eux, tu peux pas aller au corps à corps avec eux, j'ai oublié ça. Regardez-moi cette cadence de tir d'enculé. Yamete. Yamete. Je suis mourant quand même. Je toucherai pas. Bon, on cloche peut-être. Je vais te tuer. Tu vas mourir. Tiens, donne-moi une clé s'il te plaît. Merci. Je suis mourant, sincèrement. Il y a un mob qui passe, il me pète dessus, je meurs. Je meurs, point. Mais je déconne pas, c'est bon ça. C'est... Faudra même faire attention à l'ennemi le plus vulnérable du jeu. Pas l'eau. Pas les boss, non. Les murs. Les murs veulent ma peau. Alors, par où je dois aller déjà? Là, la question à 100 000 Cerceres. Gauche, droite, mieux. Bon, non. Allons vers le bas. Ouais, je le sens bien vers le bas, allez. On va avoir un ennemi, il va faire ce point, motherfucker. Je vais mourir. Ok, il y a un gros beau, très bien. C'est pas super sympa. Bonjour. Tu vas bien? J'ai besoin de vie, alors tu vas attendre 30 secondes avant que je te défonce la gueule. Oui. Oh, deux. Oh. Le gars. Mais le gars, quoi. Il a pas le temps. Il a pas le temps. Le gars, il te montre directement ce qu'il veut te faire, tu vois. Il a pas le temps. Bonjour, tu vas bien? On pourrait se présenter, je sais pas. Je m'appelle Twinson et toi, quel est ton prénom? Je suis à ma boule. Oh putain de merde. Je suis cinglé. Je suis venu au corps à corps pour lui faire des bisous. Il voulait pas. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que... Oh, d'accord. En fait, ce n'était pas un gros bourbe vert, mais il était rouge. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, tire pas dans le vent. Oh, ça passe à travers les murs. Oh, c'est écœurant. Le gars en bas, il continue à tirer quand même. Ok, nique ta mère.
voilà mon chef de la résistance. Il est là. Ouais, je me rappelle. J'ai besoin de le tuer, sinon je n'ai plus d'échappatoire. Il faut que j'y arrive. Pour la Terre, pour Twinsonia. Oui, c'est... Non, c'est Twinson, pas Twinsonia. Ok. Vite, libérez-moi. Vite, libérez-moi. Bonjour. Tu vas bien? Vous, le Quetch, je vous dois une fière chandelle. Si vous voulez redescendre sur l'autre versant, essayez d'actionner la plaque électrique au bout de ce couloir. Merci. Allez, bisous. Résistance. Le gars, comment... Aïe, ça c'était un mur. Quand il se pointe, tu sais, il lève le gun et tout, il fait résistance. Hop là, sois pas deg. Tiens. Est-ce que j'ai touché? Est-ce que je touche? Mais à la fois de l'envoi, je touche. Oui. Ah, je suis plus loin quand même. Merde, plus de mana, fuck. Excusez-moi, je suis un peu obligé de jouer à la pédale là. Parce que je tiens mon trèfle quand même. J'en aurais besoin. Vraiment besoin. Parce que... Bonjour. C'est bon, t'es mort? C'est bon? On a la paix? Oh putain de merde. Oh. Oh putain. Oh. Même pas peur. Mais un peu quand même. Y'a rien à piller là. Ok. Bon et là en fait si vous voulez c'est pour la suite du stage. On doit passer par là en fait. Hop. Hop. Hop là. Hop là! Donc en fait, on arrive par derrière. On encule, voilà. Oh putain, il fait froid de sa mère! Oh putain! Et on va être sauvé par des petits lapins! Enfin, des petites loutres. C'est des loutres de neige. Piu piu piu. Et donc voilà! Bon, bah, on est vivant! On récupère la planche de snow. Les Camis t'ont donné un snowboard. C'est les Camis. Et donc là, tu fais un peu de snowboard là. Blé. Blé. Et bon, bref, c'est vrai que le snow c'est pas vraiment utile, mais bon. Je suis un peu bourré, les mecs. Putain de merde. Oui, ouais, c'était cool. Alors, tu peux y retourner si t'as envie, si t'as aimé, si t'as trouvé ça sympa l'automatisme. Excusez-moi. Hop, et tu remontes. Yeah les mecs. Allez les mecs, on y retourne. Oui, oui, il était mourant il y a pas plus de 2 minutes. Hein. Mais bon, c'est Twinson. Allez, piste bleue, enfin noire. Ouais, la piste bleue c'est pour les lopettes, la piste noire c'est pour les compètes. Oui. Bon, il y a rien de spécialement plus, hein. C'est juste pour vous montrer que le snowboard... Eh ben, c'est cool! Ouais, c'est trop bien! Bon, donc voilà. Bah écoutez, les enfants, bah, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vais vous laisser sur cette piste de snow fraîchement trouvée. Fraîchement, piste de snow. Je vous fais tout plein de bisous. Portez-vous bien. Bon, je suis désolé que ce soit aussi mal passé, malheureusement, parce qu'il y a Findus. Oui, malheureusement, il y a Findus. Bref. Allez, tout plein de bisous les enfants, portez-vous bien, et puis à plus tard. Allez, bisous les enfants, ciao ciao.